Au football, chacun a son petit rituel avant un match, objet fétiche ou encore des prières. Tout est bon pour mettre les chances de son côté. Au Rwanda aussi, les joueurs ont leurs superstitions, quelque peu différentes du moins. Début décembre, Moussa Camara, qui évolue au rayon sport, s'est approché du poteau adverse pour, semble-t-il, lancer un sort. Après s'être fait poursuivre par le gardien adverse, ce dernier a écopé d'un carton jaune pour ce geste. Mais ça valait le coup puisque l'apprenti sorcier a inscrit un but dans les minutes qui ont suivi. Cette pratique n'a pas été appréciée par la Fédération de football rwandaise. Elle a mis en place de nouvelles sanctions contre ceux qui utilisent la sorcellerie durant les matchs. Les joueurs se verront sanctionnés d'une amende de 116 euros. Désormais, Moussa Camara va devoir se passer des esprits pour inscrire des buts.